Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la famille. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous recevoir à nouveau. La famille, aujourd'hui, nous allons faire une journée dans la cuisine de madame. De madame, tout court. J'ai failli dire madame Florence, mais de madame. Alors, la famille, je vous conseille de rester scotché sur la toile jusqu'à la fin. De liker la vidéo, c'est pas encore fait. Et vous dire en commentaire depuis quel et quel beau pays est-ce que vous suivez cette vidéo d'aujourd'hui. Ma famille, qui remarque ceci? Qui peut me dire en commentaire comment est-ce que ça s'appelle? Je vous laisse une minute pour écrire en commentaire comment est-ce qu'on appelle ceci là, les connaisseurs. Dites-le moi en commentaire. Une minute, allez-y. Une minute. Bon, la famille, ça fait déjà une minute, donc j'attends de voir en commentaire. Je ne veux pas vous dire le nom, hein, vous partez là-bas dire. Hein. Ça, c'est le cuit. Aujourd'hui, nous allons faire couscous cuit légumes. La nourriture de chez nous. La nourriture qu'on chie à la femme avec, comme on dit chez nous. Quand la femme vient d'accoucher, c'est ça qu'on mange. Dans la famille, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. On va passer la commande. Donc, c'est ça qu'il va préparer. Là, présentement, je suis en train de nettoyer mon cuit. J'enlève un peu la saleté, c'est ça, parce que je ne veux pas faire avec. Et ensuite, il y a encore trop la saleté au moment de trier. C'est la raison pour laquelle je diminue déjà ma saleté dès maintenant. Donc, la famille, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la clochette de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Car sur cette chaîne YouTube, Marousse et Florence, nous vous proposons des vlogs, des pranks, des story time. Vous pouvez également nous dire en commentaire si vous avez une histoire, par exemple, que vous voulez que nous racontons sur notre page. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, ou alors vous prenez juste le numéro de téléphone dans la description, vous nous écrivez en privé. Si vous avez une de vos histoires que vous aimez bien partager avec nous et avec la famille YouTube, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Dans la famille, restez scotchés. J'ai oublié quoi? Et aussi le divertissement, les challenges, je crois bien. La famille, j'ai déjà fini de nettoyer, j'ai lavé. Là maintenant, je suis en train d'éplucher, j'enlève sur les tiges. C'est ça qu'on veut utiliser, ceci. Donc j'enlève d'abord sur les tiges. Une fois fini, je vais tremper, je vais mettre dans l'eau chaude. Pour pouvoir extraire le diamant facilement. Entre temps, dans la manette, ça c'est l'eau. Bientôt, je vais mettre le son. Le son, c'est une partie. C'est une petite quantité de couscous qu'on a coupé. On l'a mis de côté. On l'a trempé dans l'eau. Je vais d'abord tourner. Donc, c'est comme si je vais d'abord verser mon son. Je vais d'abord verser mon son dans la manette. Tourner avant de venir. J'ai dépêché mon cuit. Ça c'est le son comme je vous voulais. Je vais mettre dans la manette. On met dans la manette. On tourne, ça commence à peser. On rajoute ensuite l'eau. On ferme, on laisse ça cuire bien même. Encore, on rajoute maintenant le couscous. Le son doit être plus beaucoup que le couscous. Si tu veux que ton couscous soit réussi, parce que on croit souvent que tourner le couscous est facile, mais le couscous peut ne pas réussir. Donc, quand tu fais le son beaucoup, tu ne rajoutes pas trop à poudre de maïs à la fin. Voilà ça qui est déjà devenu l'eau et c'est déjà en train de mijoter. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter de l'eau, je vais fermer la marmite, je vais laisser ça va encore bien mijoter. C'est temps pour moi de finir d'éplucher mon cuit. Et aussi il y a un bébé à faire là-bas dans l'eau de pluie. Et d'abord, on utilise ça, il la lave d'abord. Je lave d'abord le bébé Andrea avant de continuer. Donc. Avec la chaleur de bois, elle aime bien rester dans l'eau. Je ne peux pas vous amener la voir parce qu'elle n'a pas les habits sur elle.
je suis la mort, c'est la lave, c'est la vie et tout là. Elle va vous dire bonjour. Ok, c'est bon. Antoya, elle est concentrée sur les bruits qu'il y a derrière. Donc je vais flatter Antoya pour qu'elle dorme un peu. Ensuite on va continuer avec la cuisine d'aujourd'hui. La famille, enfin le vin Antoya dort. Vous avez vu comme mon coco, ça vient sous la peine, mon son. Ça vient mijoter, maintenant je vais rajouter mon couscous. Je vais rajouter la poudre de maïs. Ça, c'est déjà mon couscous qui est déjà au feu comme ça. Vous voyez, même pas facile, hein, c'est pas évident. Vous voyez, à ce stade aussi, ça pèse encore. Si c'était par exemple le couscous que je voulais manger, peut-être la sauce avec. Comme je peux dire, comme la sauce chou. Je ne sais pas si c'est comme ça que je vais dire ça. La sauce chou ou alors la sauce légumes. Je devais laisser mon couscous à la texture ici là. Mais comme c'est pour manger le cuit, il faut que ça soit un peu lolo. Ça soit un peu plus lolo que ça. Parce que le cuit, on en vend ses mains, on ne mâche pas. C'était peut-être que les légumes, on devait mâcher. Mais comme c'est le cuit, je vais encore rajouter peut-être un dernier tout d'eau et fermer la marmite. Laisser encore, ça va encore bien mijoter pour permettre au couscous de bien cuire, au maïs de bien cuire, si je peux dire ça comme ça. Donc, je vais encore rajouter un peu d'eau. J'ai mis l'eau dans ma bouilloire, c'est en train de bouillir. La méthode que j'ai utilisée pour préparer le couscous, là, c'est pas comme ça qu'avant on préparait. Quand je restais au village avec ma grand-mère, on mettait d'abord l'eau dans la marmite, on laisse l'eau bouillir. Une fois que ça finit, on prend un seau comme ceci, on divise l'eau, ça soit on laisse juste un peu dans la marmite. On met maintenant le son que vous avez vu, j'ai mis au début. On tourne et on laisse mijoter encore, comme vous avez vu, j'ai fait au début avant de mettre le couscous. Moi maintenant, la méthode, c'est comme ça que moi je faisais. Mais sauf que ma belle-mère, la dernière fois qu'elle est venue rester avec moi ici, elle a utilisé une autre méthode, c'est sa méthode que j'ai utilisée aujourd'hui, qui est plus pratique et plus rapide. Tu mets un peu l'eau dans la marmite, tu chauffes, tu verses le sol, tu tournes. Et tu mets l'autre dans la bouilloire, parce qu'il faut rajouter l'eau chaude de temps en temps. On ne rajoute pas l'eau qui est glacée, on rajoute l'eau chaude de temps en temps. Moi, je trouve que la méthode-ci est plus facile et plus rapide. Dites-moi en commentaire, quelle des deux méthodes est-ce que vous préférez? La méthode de l'ancien temps ou bien la méthode de maintenant? Je vous attends en commentaire, je vais vous lire dans les commentaires, n'est-ce pas la famille? Sur le rendu final de mon cuit, j'ai fini la remise sur les tiges. J'ai mis l'eau dans la bouilloire, j'attends que ça bouge. Une fois que ça doit bouillir, je vais verser là-dedans pour pouvoir faire ressortir le bouillon. Tout ça. Entre temps, la famille, j'ai fini, j'ai tourné mon couscous, ça, j'ai fermé la remise pour laisser mijoter. Ça, c'est en train de mijoter, comme vous pouvez le remarquer. On va encore tourner un peu. Vous voyez la texture, non? Ce n'est plus dur comme l'eau. Vous voyez? Donc, il faut que tout est prêt. Ma petite soeur doit continuer avec les légumes. Et qui doit faire tous les légumes. Le temps de laisser un cuit de gonfler et puis on va enlever le cuit sur
Je ne sais pas comment est-ce qu'il va appeler ça. En tout cas, on m'a levé le cul là-bas. On peut dire à tout de suite la famille. J'arrête d'avoir mon petit. Maintenant, nous sommes sur les condiments de l'huile. J'ai enlevé les condiments là. C'était dans ce plastique. J'ai enlevé, j'ai mis dans l'assiette. J'ai mis le sel. Maintenant, je vais mettre l'eau. Quand tu mets l'eau à la fin, tu tournes. La famille, les riz d'avoir passé, c'est ce que vous allez venir bien me dire en commentaire. Dans un premier temps, la famille, je vous demande d'abord pardon. Pardon, c'est ma, excusez Madame Florence, c'est pas de ma faute. Le couscous, si on doit emballer ça dans les plastiques. Je n'ai pas pu trouver les feuilles. Vous savez, nous sommes en ville. Se procurer les feuilles n'est pas facile, surtout quand tu as tout ce que tu as besoin pour préparer à la maison. C'est pas facile de se procurer les feuilles, donc je suis obligée de faire avec les plastiques. Juste pour cette fois-ci, la famille, ça ne doit plus se reproduire. Donc on va emballer avec les plastiques. On va monter. Vous voyez comme quand je soulève un comme ça là, ça tire déjà non. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer dans l'eau chaude pour éviter de me brûler. Je retire d'abord dans l'eau chaude. Je mets dans l'autre bassin ici. Excusez mes bassins en plastique et la famille, pardon. C'est ce que je vais acheter les bassins en aluminium plus tard. S'il vous plaît. Donc je vais enlever, ça chauffe. J'enlève d'abord là. Je mets un peu l'eau humide pour pouvoir presser le cuir sur ça facilement. Quand on ne peut pas, non, acceptons qu'on ne peut pas. Vous voyez, regardez, malgré que j'ai pris la peine de racler la saleté, ça y a toujours la saleté à l'intérieur. Avant la famille, quand on faisait le cuir comme ça là, quand je restais avec ma grande au village, elle aimait tout bien. Quand c'est moi qui fais, dis montre tes ongles, elle veut voir les ongles propres comme ça là. Tout est taillé. Elle veut pas voir les ongles sur tes mains que tu envoies dans son cuir. Elle a vu que c'est sale. Donc quand je programme de faire le cuir, non seulement je ne mets pas de faux ongles, mais si j'ai les ongles sur les mains, je taille d'abord. Alors, c'est un truc que tu fais avec les mains. Que ça soit bien propre. Voilà le premier tour.
j'ai en train de trier mon cuit, j'enlève la saleté qu'il y a sur ça. Ça, c'est la meilleure manière pour trier. Quand tu tries de cette façon, on ne sort pas avec la saleté. Toute la saleté qu'il y a dessus, ça doit rester au-dessus. Pardon. Excusez le bruit, hein. Vous voyez qu'elle trie comme ça, on ne sort pas avec la saleté. Bon, la famille, on a le rendu final sans la saleté. Ce que je fais dans un premier temps, je mets d'abord le sel gemme. Le sel gemme, c'est pour que ça pèse encore plus. Donc, si ton jus devait par exemple commencer à devenir lourd après, le sel gemme, c'est pour que ça pèse encore plus. Je mets mon sel gemme, je tape d'abord. Je pense qu'elle a mis le sel sur ça avec vous. Donc je vais juste mettre, au cas où ça ne suffit pas, qu'elle vienne rajouter. Je vais d'abord un peu de condiment. Et peut-être que ça le déborde aussi. Et puis je mélange. Vous savez la famille, quand j'ai accouché à Andrea, j'ai tellement mangé le cuit, si bien que quand je suis revenue du village, j'ai préparé celle-ci peut-être une fois, une à deux fois depuis septembre, j'ai tout préparé. Je crois que ça c'est la troisième fois que je prépare comme ça. C'est comme s'il y a manque de sel. Et c'est comme si également mes condiments sont petits. Et je crois qu'elle a tout trempé. Bon, on se prend à tout à l'heure quand j'aurai fini. C'est comme s'il y a manque de condiments. Donc c'est comme si elle va acheter les condiments pour monter encore sur ça. Voilà, on se prend à tout de suite. Bon, la famille. C'est enfin prêt. Bébé en garde, on nous dit si c'est bon ou pas. Faut bien me moquer à ta maman. Tu vas manger, je suis bien fait. Je ne peux pas manger la farine. Attendez, on va faire un truc. Ah. Elle a aimé les légumes. Par contre, elle n'a pas aimé le couscous cuit. Je crois que c'est la deuxième fois qu'elle mange le couscous cuit. Elle n'a pas aimé.
Normalement, elle m'a logé en paix. Ça ne veut pas être. Bravo à la famille. Ceux qui me regardent et qui sont en train de manger, bon appétit à vous. On attend le retour de monsieur pour qu'il vienne aussi manger et puis il nous dit comment est-ce qu'il trouve le repas d'aujourd'hui. Dans la famille, on se prend tout à l'heure.